Voilà les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas faite depuis une éternité sur ma chaîne et c'est un haul. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un haul et là, bon, j'ai décidé de faire un haul. Cette vidéo, je vais profiter pour vous présenter quelques produits que j'ai reçus parce que dernièrement, j'étais très chanceuse au jeu et j'ai participé à quelques concours et j'ai pu gagner certains lots. Donc, je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Premier lot que je vais vous présenter, c'est le lot. C'est un lot que j'ai gagné lors du Papa Concours de Sandra Cerise, qui est une youtubeuse guadeloupéenne. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir. Et ça se présente comme ceci. En fait, c'est une petite boîte de chez L'Oréal où à l'intérieur j'avais un lait démaquillant fleur rare qui nettoie, démaquille et hydrate que j'ai déjà commencé à utiliser. Et c'est la première fois que j'utilise ce type de lait, donc c'est super intéressant et je vous ferai mon retour très bientôt. Dans la boîte, on retrouvait aussi deux jolis petits vernis. Donc, c'est dans la gamme des couleurs riches. Donc, j'ai la teinte préliminaire. C'est une espèce de violet avec des nacres dorés. Et la deuxième teinte, c'est le couleur riche Orange After Party, qui est aussi magnifique. Franchement, rien à dire. Et dernier produit qu'on retrouvait dans la petite boîte, dans la petite valisette, c'est ce rouge à lèvres, toujours de la gamme Color Rich. Là, c'est le 293. Et c'est un joli orange aussi avec des nacres dorées. Franchement, le packaging est juste à tomber. Franchement, je kiffe. J'ai participé aussi au concours de Nana Secret sur Facebook pour gagner une de leurs box qu'ils vont lancer. C'est un site, à ce que j'ai compris, qui vend du make-up et des soins beauté, mais qui vient des US. Donc, des produits, que des produits américains. Voilà. Donc, dans la petite box, j'avais déjà le petit fascicule Nana Secret. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. On retrouve un petit miroir de chez Nana Secret. Tranquille, on n'a jamais assez de miroir. Hein. Ensuite, j'ai ça, un co-wash de la marque Girth. Girth? Girth? Je ne sais pas. Et ça tombe très bien parce que je voulais tester un courage. J'étais partie pour tester celui d'Active Milan. Je crois que c'était l'Active Gloss parce que j'avais eu un échantillon et j'avais testé mes cheveux. J'avais bien aimé. Mais finalement, le prix m'avait refroidi au supermarché. C'était un tout petit flacon. Mais là, dans la petite box, j'ai trouvé ça. Sachant que je ne savais pas hein, ce qu'il y avait dans la box. Donc, j'étais super contente. Et c'est un format de 350 ml. Donc, c'est pas mal. J'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, toujours dans la pour les cheveux, j'ai ça aussi. Donc là, c'est de la marque Komoé, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour cheveux secs et abîmés. Et c'est un après-shampoing. Donc je ne connaissais vraiment pas cette marque-là. Donc si vous connaissez la marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais l'essayer. Je verrai bien ce que ça donne sur mes cheveux. Dans la box, je retrouvais aussi cette trombe à paupières de la marque Citicolor. Et c'est la teinte Goaldi Digger. Moi, l'anglais là, c'est. Voilà, c'est une couleur un peu comme ça. Elle est super jolie. Franchement, la couleur est super sympa. Toujours dans la petite box, j'ai eu ça aussi également. Donc, c'est une palette de chez Elle Girl. Donc, c'est les Eyeshadow Collection Neo. Et les couleurs sont juste à tomber. Mais vraiment des couleurs super flashy, super colorées. Néon, quoi. Donc là aussi, j'ai hâte de tester cette petite palette. C'est vrai que c'était des petites palettes qui m'intéressaient, mais je ne trouvais pas forcément tout le temps les disponibles ici. Donc je pourrais tester et c'est pas mal. Donc à l'intérieur, vous avez des fards mat et des fards irisés. Voilà. Donc ils sont assez pigmentés et tout. Les couleurs sont super sympas. J'ai déjà un peu swatché tout ça. Toujours de la marque Elle Girl, j'ai reçu ce petit rouge à lèvres. Donc en fait, c'est un métal liquide lipstick en teinte Cooper. Voilà. Donc ça tombe très bien puisque j'en avais vu sur la chaîne de Popol Créole, je l'avais testé. Ces liquides mat là. C'est liquide métal, pardon. Et je m'étais dit que bon, je voulais bien les tester. Mais c'est vrai que pour le moment, ici en Guadeloupe, tous les produits illégaux ne sont pas forcément disponibles dans les boutiques où on les revend. Donc là, je pourrais tester cette petite couleur là. Laissez-moi vous faire un petit swatch. C'est très crémeux, hein, déjà. Donc c'est un joli marron bronze. Hein. Voilà. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, j'ai reçu aussi un ColourPop. Donc, c'est une ultra metallic clip en teinte Queen. Donc, vous voyez un peu la couleur.
C'est une couleur super sympa aussi. Ça ressemble un peu à une couleur cuivrée avec un peu des nacres dorées argentées. Donc, à tester ça aussi. Dans la Secret Box, toujours, j'ai reçu ça. Donc, j'ai fait tomber. Donc, elle est un peu cassée. C'est une palette de concealer et de contour de la marque CityColor. Donc, ce sont des contours crème en fait. Donc, là aussi, moi qui voulais me tester. Pour contourer. Donc là, c'est une bonne petite palette pour tester. Sachant que j'avais déjà la palette de Sleek Makeup pour le contouring. Donc voilà quoi. Juste un peu déçue parce que je l'ai fait tomber et elle s'est cassée. Mais bon, à tous de tester ça. J'espère vous proposer bientôt une petite vidéo contouring pour les nuls. On va dire ça comme ça. Toujours dans la Nina Secret Box. Donc il y avait ces 6 produits. Et dans la box, on faisait deux petits accessoires en cadeau. Donc le premier accessoire, c'est ça. Donc, c'est en fait une brosse pierre ponce en plastique, donc en forme de pied. Donc, vous avez la brosse, la ponce et la lime, je crois. Donc, c'est toujours sympa hein, de recevoir les petits trucs comme ça. Et le deuxième accessoire, c'est ceci. C'est un petit headband. Un petit headband argenté avec des fleurs. Un accessoire pour les cheveux. Voilà. Donc là, c'est ça pour le petit concours que j'ai gagné. Donc, les produits que j'ai reçus. Donc là, on va passer... Donc, au produit bon, que j'ai acheté. Alors, j'ai un petit produit que j'ai à vous présenter. En fait, c'est mon doudou qui me l'a offert. Donc, là, vous pouvez la voir. C'est une petite mallette, en fait. À l'intérieur, il y a des produits. Make-up. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez deux rouges à lèvres, des fards à paupières, des glosses, deux vernis, dont le vernis que j'apporte aujourd'hui. Et des poudres et des blushs. Avec tout un kit, l'accessoire pour les orteils, des petits pinceaux, pince à épiler, lime. Et j'ai trouvé ça super sympa, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était la petite valisette. Parce que je la trouve trop mignonne, elle est vraiment trop mignonne. Avec les petits flamants roses, le petit toucan là. Franchement, c'est super sympa. Et il me l'a prise à la boutique Beauty Success, qui est à Destrehan. Ce qui est bien aussi, c'est que ici vous avez le présentoir des produits, mais en fait ça se retire et après vous pouvez utiliser votre valisette pour transporter autre chose. Donc ça, tout ça, super sympa. Mais j'ai voulu vous montrer ça avant tout dans la valisette pour voir un peu le design. Mais bon, moi je compte l'utiliser pour transporter mes petites choses à moi. Sachant que j'ai un petit bémol pour les petits gloss qui sont ici, puisque en fait ils n'ont pas de contenant. Donc, normalement, ils restent dans la petite mousse que vous voyez là. Et comment je fais pour les entreposer, en fait? Donc, c'est ça. J'ai juste ça, le petit bémol. Mais sinon, le petit vernis. J'aime bien. Et puis, voilà. Ensuite, je me suis passée à Destrehan. Je me suis acheté ceci. Donc là, c'est un gommage hydratant à l'huile d'argan. Donc, qui permet d'éliminer les cellules mortes. Hydrate la peau en douceur. Donc, comme en fait, mon gommage s'est terminé. Donc, je voulais tester... on va dire au drugstore, donc de supermarché, pas cher, je vois qu'il faisait 3,75 € et je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai acheté aujourd'hui et je vous le présente comme ça là, donc restez connectés. Ensuite, je suis passée aussi à la boutique Adopt, je me suis pris des fameuses boucles d'oreilles, je ne peux pas me passer des cernes, j'aime tellement ça, je porte que ça, franchement, voilà quoi. Tous les mois, il faut que je m'en achète des différentes comme ça, différentes formes et tout, j'aime bien. Donc là, c'était à 3,99 €. Donc, la team Adopt, la team Voilà. Vous êtes là? Sinon, toujours sur Adopt, je me suis pris un petit crayon à lèvres marron. C'est la teinte Mocha Addict. Et je me suis pris aussi deux crayons à lèvres, deux mini crayons à lèvres en teinte framboise et la teinte Rouge Diva. Je me suis fait un petit stock. En plus, il y a moins 30% sur... les mini crayons à lèvres et je crois qu'ils coûtent pas très cher, ils coûtent dans les moins de 3 € en tout cas. Donc vous les payez, je crois, 1,70 € par là. Je suis tombée sur ce parfum-là et franchement, il sent trop, mais trop bon. Donc en fait, c'est le Lady Glitter. Donc c'est un autre parfum qui coûte 6,95 €. Mais en fait, il a des petites paillettes à l'intérieur et tout. Donc ça laisse un léger petite paillette sur vous. Mais le truc sent tellement bon. Il y a un côté vanillé. Voilà, franchement, j'essaierai de vous mettre les notes qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, je ne peux pas vous expliquer vraiment quelle est l'odeur du parfum. Et c'est ce qui est de moi. Je devrais le mettre directement sur le parfum.
Et ils ont fait toute une gamme comme ça. Je crois que c'est une gamme, la gamme orientale. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai choisi la Lady Glitter parce que je trouvais que la note de vanille qui est à l'intérieur. Ah mon Dieu, le truc sent trop bon. Trop bon. Et vous pouvez aussi l'avoir en roulant dans un flacon un peu plus petit et qui est facilement glissable dans votre sac. Donc, c'est top. Et ce que j'aime bien, en fait, avec toute la gamme d'Adopt, en fait, lorsque vous avez des flacons, etc., vous pouvez les ramener et vous bénéficiez, je crois, de 10 ou de 20% sur le prochain produit. Donc, c'est super sympa. Voilà. Donc, c'était tout. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour m'encourager et pour m'indiquer que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, si tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, donne-moi la force, tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, Lily Chaban.